Ça ne va plus, vous ne pouvez plus diriger le pays. Regardez, dans tous les secteurs de la vie, plus rien ne marche. Hein, vous le constatez. Donc, le mieux serait si vous avez encore cette conscience en place. Vraiment, quittez les affaires, monsieur Sassou. Ça ne marche pas, rien ne marche. Hein? Vraiment, on n'a plus honte de le dire. Ici, nous sommes à Pointe-Noire, au quartier Moulembo. Pour ceux qui connaissent le quartier Moulembo. Mais regardez les nids de poules. Il n'existe plus de bitume sur ces avenues-là. Regardez. Regardez comment la voiture est en train de manœuvrer pour s'effrayer un passage. Regardez les nids de poules. Regardez partout. Hein? On passe à ce bomimbo kabouendengeniniko, regardez partout. Regardez partout. Regardez partout. C'est difficile. Et là, ils sont en train de harceler les conducteurs pour payer. Je ne sais pas, la patente et la taxe de roulage. Regardez dans quel état on va payer la patente et la taxe de roulage. Toutes les sommes que vous obtenez pendant toutes ces années-là, qu'est-ce que vous avez pu bien faire? Regardez. C'est ça, les goudrons au Congo. Il n'existe même plus de goudrons. Regardez. Hein? Papa Sassou Bomimboka. Hein? Papa Sassou Bomimboka. Hey! Tata Sassou me coupe à boire la 24, la mouga la pointe noire. Tata Sassou me coupe à boire. C'est pénible. C'est vraiment pénible. Regardez, il doit y avoir l'embouteillage parce que le chemin n'est pas bon. La route n'est pas bonne. Regardez. Donc, il doit y avoir de l'embouteillage parce que la route n'est pas bonne. Hein? Le président Sassou Nguesso, vous avez vieilli. Hein? Confiez les rênes du pays à quelqu'un d'autre. Vous avez tellement vieilli. On doit vous le dire quand même, monsieur le président. Hein, regardez, nous sommes à Pointe-Noire. C'est triste. Des nids de poules partout. Hein, c'est vraiment triste. Mais bon, on le dit pas parce qu'on est contre vous, mais on le dit parce que nous reconnaissons cette incompétence. Depuis ce 79 jusqu'à nos jours, il y a lieu que vous puissiez quitter les affaires. C'est normal. C'est le conseil que je peux vous donner. Même si ça va vous déplaire, mais je suis en droit de vous le dire, M. Sassou. Ça ne va plus. Vous ne pouvez plus diriger le pays. Regardez, dans tous les secteurs de la vie, plus rien ne marche. Hein, vous le constatez. Donc, le mieux serait si vous avez encore cette conscience en place. Vraiment, quittez les affaires, M. Sassou. Ça ne marche pas. Rien ne marche. Hein?